لقائي اللغة القديمة والكتب القديمة أنعي لكم كلامنا المصبوغة الأحذية القديمة ومفردات العهر والهجاء والشتيمة أنعي لكم نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمة مالحة الزفة من الفصائل مالحة ضفائر النساء والليل والأسرار وال Moi c'est Walid, voilà, enfin, on fait partie du groupe Nordistan. Moi c'est Widad, pareil toujours, groupe Nordistan. Voilà, donc Nordistan c'est un groupe qu'on a voulu créer il y a un moment pour pouvoir nous exprimer un peu sur tous les styles et tous les avec tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Voilà, enfin, c'est un projet qui nous permet d'essayer des trucs librement. أيامنا تدور بين الثار والشطرنج والنعاس هل نحن خير أمة قد أخرجت من لا تخرج على بسنة ونحن في السلم عقولنا طويلة عقولنا مشغولة عيوننا مرافق الذباب يا أصدقائي شركوا أن تغسلوا الأبواب أن تغسلوا أفكاركم وتغسلوا الأبواب يا أصدقائي شركوا أن تقرأوا كتاب أن تكتبوا كتاب أن تزرعوا الحروف والرمان والآلام إلى بلاد السرج والضباب الناس يشهدونكم في خارج السرداب الناس يحسبونكم نوعا من الفئة Alors le groupe, vraiment, il a commencé en... Notre premier concert tous ensemble, c'était en mai 2014. On voulait faire quelque chose de nouveau, donc on s'est réunis, on a fait ça. Après, Cyril nous a rejoint. Ben, je l'ai rencontré au studio de Perpignan à Ricordite pour... Enfin, à mon retour d'Inde, donc on s'est amusé à faire des choses acoustiques avec la Cora. C'était une volonté de mélanger un peu l'art africain dans son ensemble avec l'électronique, donc voilà, ça a commencé comme ça. Avec Walid, on est marocain, on est né, on a grandi au Maroc. À Casablanca. À Casablanca. Ben a des origines anglaises et italiennes. Et notre batteur, Cyril, il a des origines portoricaines. On prend des poésies qui nous touchent, donc des poésies de textes arabes, que ce soit dans très anciennes, 14e ou même 9e siècle, ou des poésies contemporaines, comme celle de Nizar Qabbani ou de Ahmed Matar. Et généralement, on écrit aussi des textes en darija ou en arabe classique. Et généralement, enfin, on le fait ensemble, quoi, avec Widad. Elle écrit une première phrase et moi je continue. Voilà, enfin, c'est un peu. Bon, j'écris, on va dire, une bonne partie que je lui propose et qui l'embellit, en fait. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, de s'embellir mutuellement. Voilà, les textes qui sont marocains dialectales en darija, c'est nous deux, et même certains qu'on ne chante pas encore en arabe classique. Et le reste, on puise dans le patrimoine poétique arabe. Alors le darija, c'est vraiment la langue de tous les jours des Marocains, donc c'est le dialecte hors berbère, bien sûr. Ouais. Donc c'est avec ça qu'on discute. Donc il y a des à l'intérieur, on va trouver des mots arabes, des mots berbères, des mots en français, en espagnol. C'est vraiment un mélange de tout ça. Ça se rapproche un peu du dialecte algérien, mais voilà, darija, c'est le dialecte marocain. On décide pas exactement, on se dit pas voilà on va faire tant de textes en arabe et tant de textes de poésie. C'est vraiment, ça vient parce qu'on lit un poème et il nous touche, on a envie de le mettre en valeur, même s'il est déjà, enfin c'est déjà des grands poètes et des grandes langues arabes, mais ça nous permet de toucher à un patrimoine qui est un peu oublié entre guillemets de nos contemporains et de la jeunesse d'où on est sorti. Il y a pas mal de textes qui sont contestataires,
mais qui aspire à la liberté, en fait, à un dépassement de l'état actuel des choses, au statu quo. Et pour juste voilà, faire un petit rappel, ces textes-là, même s'ils datent en fait, du 10e, 9e siècle, ce qui est triste, c'est qu'ils sont encore contemporains toujours, ils décrivent toujours la même situation, en fait. Donc c'est une volonté aussi de notre part de dépoussiérer, de remettre au goût du jour la poésie, et aussi qu'elle exprime notre ressenti. C'est de l'émerveillement un peu de trouver un texte du 9e ou du 14e siècle qui parle de l'état actuel des choses. Ça nous rappelle que tout est cyclique, que c'est quelque chose qui revient perpétuellement. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on aime bien exprimer. C'est très difficile, on la qualifie de nordistanaise, quoi. Donc, c'est parce que vraiment, comme je disais au début, on ne se met pas de barrière, on ne se dit pas on va faire tel style de musique. On trouve ça vraiment dommage de se cantonner, de se confiner dans un style bien précis. On adore le rock, donc on fait des morceaux bien punchy. On adore l'électro, donc on va mettre de l'électro, de l'acoustique, le hip-hop. Voilà, on vient de ce milieu, donc du rap. Il y a aussi du classique, notamment dans les chansons comme Les Cliché In To Everything, où c'est que acoustique avec une touche à la fin d'électro. Mais c'est quelque chose. Enfin, on s'inscrit quand même dans l'alternatif, donc dans la musique alternative qui nous permet un peu de transcender les styles, quoi, de se dire bon, on fait de l'alternative, donc du coup on peut faire ce qu'on veut du moment que c'est pas. Mais je pense que c'est au public de nous donner un style. On va pour partager ce qu'on fait. On découvre aussi le public, le public nous découvre. Donc on est en total kiff. On prend notre pied totalement. Je parlais pour moi. Qu'on joue ici dans des festivals où il y a pas mal d'audience, ou qu'on joue dans des petites salles, c'est le plaisir qui est important de cet amour en fait qu'on donne et qu'on reçoit. Voilà. Personnellement, moi je fais de la musique avec le cœur et je pense que tous les membres du groupe font la même chose. Ça nous permet de rencontrer, comme Widad dit, de rencontrer le public. Enfin, c'est le but de n'importe quel musicien, c'est d'aller partager ça, ce moment avec les gens, les nordistanais entre guillemets qu'on va essayer de faire rentrer dans notre univers. C'est un cadeau, je pense, c'est un cadeau de la providence, des gens qui veulent bien nous écouter, des gens qui veulent bien nous programmer et qui nous offrent la possibilité de nous exprimer. Donc on sera toujours reconnaissants pour ça. Je suis pas
On a un EP qui sort là ce mois-ci, donc, et un album qui sort en 2016. Donc voilà, c'est, pour l'instant, on a des chansons qui circulent sur Internet. Et voilà, on a le plus grand distributeur au monde qui s'appelle YouTube. Voilà, pour l'instant, on travaille avec lui. Partager au maximum avec les gens, voilà, c'est l'objectif principal, c'est de monter sur scène, quoi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. يا حضرة السلطان لقد خذلت الحرب مرتين لأنني اصبح في غالي سلطان لأبد الفجاء في نار حاضر لأنني وجه لذلك يا سيدي جدران لو أحد لم نوي أمان لأصغر السلطان لأبد الفجاء في نار حاضر لأنك قد قطعت قضية الإنسان ويجب أن تكون في غالي ويجب أن يكون أفضل ويجب أن تكون شاري ويجب أن يكون هي ويرتج الفكرة من الأرض.